Bonjour à tous, on est ici dans une vidéo 360. Le principe de la vidéo, c'est si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez vous déplacer avec la petite molette. Vous pouvez voir Thomas. C'était quoi ça? C'est la petite molette. Et après, si vous êtes sur smartphone ou tablette, vous vous déplacez directement comme ça et c'est la révolution. C'est incroyable. Voilà, elle est impressionnante. C'est incroyable. Ouais, elle est impressionnante. C'est incroyable. Ouais. Pour cette vidéo, pour que vous puissiez vous déplacer avec un prétexte, on a décidé de faire un jeu de société avec aujourd'hui Thomas. Salut. Belle ambiance. Thomas qu'on retrouve sur la chaîne Top 10 aussi, on précise aussi. Marjorie. Du latte chaud. Et Daniel, le russe. De la chaîne Daniel, le russe. Ok. Ouais. Ouais. Très gênant. J'explique vite fait le principe du jeu, on va faire un Time's Up. Tout le monde connaît le Time's Up, hein. C'est, on devine des noms sans les dire et avec un coéquipier, avec un temps imparti. Mais comme moi perso je connais toutes les cartes du Time's Up, j'ai déjà beaucoup joué, j'ai demandé à un ami de concevoir un jeu avec des noms issus du net. 48 noms, de gens qui sont connus soit sur YouTube, soit sur le net pour d'autres choses. Exemple typique qui est pas dans le jeu, il m'a dit que c'était pas dedans. Cindy Sander, qu'on connaît tous grâce à... Papillon de lumière. Quand on danse, il faut espérer que la personne regarde de l'autre côté. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Ma innocente. Oui, ma innocente. Bah, pas moi alors. Allez, ferme les yeux. Et Pierre. Pierre. Alors ça, c'est l'équipe numéro 1. Daniel. Le capitaine de l'équipe adverse. T'es content de pas être avec Pierre? Bah déjà, ouais, c'est... Maintenant, c'est qui et avec... Bah, tu n'as vraiment pas de chance. C'est avec moi que tu te retrouves. Vous voulez pas qu'on le refasse? Non, c'est très bien, par contre, faut juste croiser. On va se croiser toi et moi. Et là, c'est là que là, vous voyez que j'ai préparé cette vidéo comme jamais j'ai préparé une vidéo. Fou. C'est que j'ai téléchargé le sablier, oh, le sablier le plus tuning de l'histoire des sabliers. Hein. C'est génial ce que tu fais. Et on va pouvoir commencer alors. Attends, même comme ça. Oh là là. Non, j'arrive pas trop. Chrono, c'est parti. Alors, ça, c'est un. C'est deux youtubeurs qui font des vidéos sur D8. Le Palmacho. Ça, c'est Max Boublil, il a fait une vidéo sur elle. C'est une chanteuse anglaise qui est passée dans un croix de talent. Une moche, une grosse, ouais. Vieille. Susan Boyle. Ouais, bien joué. Fini. Petite pensée à Susan Boyle. Susan Boyle, la pauvre. Pourquoi? Elle a pris cher. Pour la deviner, on a quand même dit gros, c'est moche. Hein. Bat et Gaël, mais anciennement, il faisait quoi? Un site qui nous permet de nous divertir pendant. On est tranquille. Plus de 9 fois 60 secondes. Un truc à perdre, 30 secondes à perdre. Plus 45 secondes. Plus encore. Minutes à perdre. Un peu plus encore. 5 minutes à perdre. Deux fois plus que ça. 10 minutes à perdre. Ouais. J'ai réellement perdu 10 minutes. C'est un rappeur qui fait beaucoup de cheat avant Booba. Au début. Non, qui fait beaucoup de cheat, qui parlait très lentement. Ah, Doc Gynéco. Ouais, Doc Seven. Voilà. Ah, c'est mon pote. Un grand qui plaît au film et qui est un PD. Alors là, si je dis un nom, c'est pas le bon. Le grand musicien de YouTube qui a des lunettes tout le temps, il a des lunettes. Didier Super. Beaucoup mieux les lunettes. Ah bah oui, PV Nova. Voilà. C'est un gros tocard. Attends. Attention alors. Là, on a intérêt à être solidaire parce qu'on a plus que 4 avis dans le monde du web. Hein. Après, c'est terminé. Un gros tocard. Ouais, mais lui, nos soucis. Hein, ah, Pierre Cross. Non, vous êtes plus que 3, c'est bien. Non, Cyprien, mais l'autre, c'est qui? C'est Norman. Ouais, et là c'est comme lui, sauf que tu changes une lettre. Mais... Sudman. Non. Non. Norman. Ah non, mais tu on, t'a dit, on t'a dit de changer une lettre par un point cardinal. Peut-être que tu le connais pas. Hein. Norman. Bah non, Sudman, on le connaît pas. Hein. Dieudonné, il est connu pour quel fruit? La quenelle est-elle un fruit? C'est la chaîne d'un mec, c'est le perso d'un mec qui est, je crois, dans un collectif. Et du coup, ça s'appelle. Il n'y a aucun indice, hein, t'es au courant. Et lui, il fait des parodies, comment on appelle ça, des doublages. Mosinor. Ouais, bien joué. Putain. On compte les points et on va noter. 51. Non, 51, non. Si non, on est à 19, je crois. Elle me manque la musique. Ouais, moi aussi, j'en ai l'air même grand. Je crois que cette nuit, toutes les 30 secondes, je vais me la mettre. Pour expliquer le principe de cette manche, on a le droit qu'à un seul mot et le droit de passer une seule fois sur les 30 secondes. C'est parti. Dieudonné. Sananas. Grave. Hello. Enjoy Phoenix. J'espère que vous allez bien. Caché. Natou. Kemar. Asie. Asie atomique, rire jaune. Musique. Musique. C'est des musiques, ça se met en rôle. Bolos. Michael Grandetta. Bolos. Cité. Les shopping des Cayors. Ah, c'est ça, Bolos. Le shopping des Cayors. Vieille. Susanna Bolt. Grosse, elle court très vite, c'est vieille qui court très vite. Caché. Abner, Gonzague. Ouais. Grincheux. Zombie 4. Yes.
et caché. Avner. Caché. 27. Au chiffre ridicule de 13. L'essentiel c'est de participer. Ouais, on se marre bien. L'essentiel c'est la 360. Hein. Là, début de la troisième manche, c'est les mimes. Et donc les mimes, vous allez à gauche dans votre vidéo et vous allez voir l'endroit où on mime. C'est la scène de mime. Peut-être que vous allez reculer un peu, non? Tu peux reculer un tout petit peu, ouais. Encore? Encore? Voilà, encore? Voilà. Nickel. Bon, bon, voilà, pour le score c'est 32 à 48. Et go. Wartek and Jack Phoenix. Oui. Ouais, okay. Il y a déjà 30 secondes de trajet pour prendre une nouvelle carte. Gangnam Style. Upside. Oh, je le fais bien. 200. Elle a bien 200. Oui, je sais pas, je crois que c'est ça. Sophia et Caroline. Caroline et Safia. Ouais. Donc Caroline et Safia, c'est ça. Hein. Mais oui, bah non, mais c'est des filles. On va à l'essentiel. Hein. la chanson du dimanche. Le conseiller de film. L'affaire de Laurent. Maître Gibbs. Camini. Camini. Les tutos. Camini. Bonjour Tristesse. 3. 3, ils sont 3. Ah, ok. Et cette main. Est-ce qu'elle a un chauffe? Oui. T'as mimé un nain. Dans... Ouais, j'avoue. J'ai pas mimé un nain, je me suis baissé parce que. C'est narcissiste. Bah. C'est narcissiste. Ouais. Ah putain, je suis désolée. Le rire jaune asiatomique. Oh non, tu peux pas faire ça. Non, ça va. Alors, on est sur du gros mime. C'est un match de tennis. Non, c'est une interprétation. Non, mais moi je regarde parce que ça me plaît, mais je vois pas qui. Seb Lafrit. Michael Vendetta, Joy Phoenix. Il te montre toi, tu dis Michael Vendetta. Natou. Natou, bébé. Comment tu l'as mimé, Natou? La touche avec. Elle parce était que quand tu m'as dit ça, je l'avoue, j'ai. Non, t'as fait loin. Ça et elle a dit Michael Vendetta. Cyprien, Norman, joueur du grenier. Pas mal le. C'est exquisit. Squeezie shopping. Moi, tu me dis que c'est insultant de faire un nain en me baissant. Et Squeezie. Tu vas pas te faire que des amis, quoi. Non, attends, c'est terminé. Heureusement bon, que ta chaîne n'est pas à ton nom. Wouah! Wouah, le niveau des mimes! Je ne sais pas! C'est de l'art abstrait! On est sur Arte, je te jure! Enjoy Phoenix! Tu l'as fait bien! Natou? Kemar? Il va par étapes, tu vois! Genre, cette vidéo, il faut la remater plein de fois! Caroline Safia? Il danse la chaîne de Jérémy. Mister V. Ouais, j'ai bien fait d'abord. Ah, c'est un truc. Ouais, moi, c'est, pour moi, c'est Cyril Hanouna, ça. Donc, je vais faire beauté, Enjoy Phoenix, deux filles, Sophia et truc, non. Un kebab. Ah oui, Sana. Sananas. Oh, Mister V. Hanouna, Cyril Hanouna, lance des mimes, mais c'est fait tout ça. Laurie Jaune. Elle a tout fait. Elle a fait tout. Elle les fait tous de mimes, mais elle a pas les cartes. Poisson fécond. J'aurais dit Susan Boyle, moi. Susan Boyle. Oh, ouais. On compte les points. Là, peut-être que vous gagnez cette manche, quand même. 21, ça fait 53. Et nous, 19, ça fait 67. Donc, ça veut dire qu'on a gagné. On a gagné. On a gagné. Vas-y, passe la porte, mort. C'était l'autre, raté. On peut remercier les gens d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Abonnez-vous aux chaînes de tout le monde, le Latte Show, la chaîne Daniel Russe sur YouTube et regardez-le aussi sur Facebook. Et la chaîne Top 10, voilà. Ma mère a ouvert une chaîne, vous pouvez vous abonner à cette. Je vends un micro-ondes très bon et en très bon état.